Salut à tous, c'est NT, on se retrouve pour le 8ème épisode de Poképark. Ouh, je viens de taper gros drive. De Poképark 2. J'espère que vous kiffez toujours. Poképark 2, non, pas du tout, c'est Poképark 1, c'est Poképark Wii. Oh, Ronflex, il est là. Bah voilà, je cherchais. Ok, donc bah voilà, donne-nous la raille. Donne-nous la raille. J'espère que vous kiffez toujours autant la série. En tout cas, vous êtes beaucoup à la suivre et ça me fait plaisir. Zzz, oui, je vais me lever. Pas de tonnerre, s'il vous plaît. Pas de tonnerre. Bah si, tonnerre en fait. Ah. Hein, de quoi? Ah, c'est toi. De quoi? Tu voudrais que je me pousse? Mais quand j'ai beaucoup dormi, j'ai faim. Parce que c'est comme ça, je veux des baies. Donne-moi une grosse... Ah, je sais où elle est la grosse baie. On a vu où elle était la grosse baie, les amis. Pardon, pardon monsieur en fait. On a vu où était la grosse baie. La grosse baie, elle est juste ici. Alors, tu vas te calmer tout de suite, toi. Elle est en fait dans un de ces trucs, bien entendu. On va voir lequel. Mais voilà, parce qu'elle est peut-être pas au même endroit que tout à l'heure. C'est totalement possible. Ah, ça c'est une baie. Une baie 50, parfait. On va bientôt pouvoir avoir une amélioration, ça va être sympa. Ok. La grosse baie est-elle là? Eh ben elle est toujours là, c'est parfait. Et ben, on va aller la récupérer. Mais avant d'aller la récupérer, on prend toutes les caisses hein, quand même. Comme on est dans la zone, on prend les caisses. Et voilà, on est quand même à 980, ce qui est pas mal. On porte la grosse baie. Ça va être long hein, de la porter. Oh là là là. Allez. M'attaque pas, hein, toi. J'aime pas quand il m'attaque, l'ossature. Ok, donc on a vu que il était là. C'est ça, il est par là, le... Pas du tout, il est pas par là, le ronflex. Il est en face, alors. Ah oui, il était en bas. Il était ici. Bon, ronflex. Est-ce que je peux faire tomber ça? Non, pas du tout. Non. Tu peux pas aller aussi au bord pour faire tomber la balle en dessous. Ça aurait été sympa. Ah, bah ça, par contre, on peut. Ah, bah là, on a économisé pas du tout de temps, en fait. Non, on a rien économisé du tout. Allez, ronflex, c'est parti. On va parler. On parle à sa main. On parle à ma main. Mais c'est une grosse baie pour moi, vraiment. C'est pour toi. C'est pour toi. Ah, et du tonnerre? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ah, c'est un geyser. Pika, 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 pika. Qu'est-ce qui se passe? Mais quel est ce bruit? De l'eau, une source a jailli. Là-bas. C'est là que j'ai creusé un trou pour cacher le rail. Ah, ok. Voyons, voyons, d'après mes très savants calculs, la source chaude de la zone enfouie devait être asséchée. Qu'elle jaillisse à nouveau est tout à fait déconcertant. Je vais le faire savoir sans plus tarder à tout le monde. Eh ben, parfait. C'est bien. Je vais dormir ici jusqu'à ce que quelqu'un de spécial vienne. Fampi vient à la source chaude. Bah, superbe. Je sais pas pourquoi on a gagné des baies par contre. Raichu est venu à la source chaude également. Super. Mais par contre les rails, au niveau des rails, du coup, c'est ça? Ah c'est ça la rail qu'il nous fallait. Donc il faut qu'on aille le porter jusqu'à Monsieur Mime. Rail, rail, il vient de dire rail, rail, vraiment. On est vraiment sur ce type de... Je sais pas si on peut passer par là, on va essayer, hein, mais... Je sais pas s'il y a un truc par là. Je pense, hein, s'il va par là, c'est qu'il y a un truc. Ok. Très bien. Et non. Et non, 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 on ne peut pas. Tiens, par là. Par là, il y a quelque chose, non? Dis-moi qu'il y a quelque chose. Je sais pas du tout où était le monsieur Mime à la base. Je pense qu'il était par là. Je pense qu'il était par là. Si on regarde la map, si on se fie à la map... Je dirais bien qu'il était par là. Après, à voir. Ah, par contre, c'est chiant, on peut pas courir. C'est long. Et tu vas voir que c'était pas là qu'il fallait l'amener. Tu sens le délire? Est-ce que tu sens le délire? Ok, il y a le trio picker qui est ici. Ah, et donc en fait, c'était pas du tout par là. En fait, c'était par là qu'il fallait aller. Enfin, je crois. Parce que par là, c'est... Voilà, par là, on peut pas y aller.
Donc, pour aller à la zone ardente, il faut qu'on aille le donner à Monsieur Mime. Et Monsieur Mime, il est par là-bas, du coup. Eh ben, allons-y. C'est parti. Eh ben, pendant ce temps, on va parler de trucs. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de refaire des let's play un petit peu avec vous. C'était un truc qui m'avait manqué. Et j'ai eu cette nostalgie au fond de moi qui m'a donné envie de refaire des let's play. Et je pense, personnellement, que c'était une bonne chose. Et que c'était peut-être la bonne décision à prendre. Parce que moi, ça m'a fait plaisir. Allez. Par ici, on y est presque. On y est presque, cher ami Monsieur Mime. Let's go. Et pour ceux qui regarderaient plus, par exemple, mes vidéos Pokémon Go, n'hésitez pas à voir les dernières que j'ai faites. J'essaie de faire un peu plus de montage et qu'elles soient un peu plus dynamiques à regarder. C'est plus forcément que du vlog Pokémon Go, c'est du vlog sympa. Voilà. J'essaye. En tout cas. Et on voit Monsieur Mime au loin. Enfin. J'espère que c'était à lui qu'il fallait amener. Si c'était pas à lui qu'il fallait l'amener, franchement... Franchement, je vais très vite m'énerver. Allez, Monsieur Mime, dis-moi que c'était à toi. Ouais, c'est à lui, forcément. C'est le rail, tu l'as retrouvé. Merci, merci, je le remets en place. Bon, c'était à lui. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Grâce à toi, le rail est réparé. Il ne reste plus qu'à retrouver le wagonnet. Bon, ça, le wagonnet, on sait où il est. Maintenant, tu nous rends le wagonnet, ok? De quoi? Le rail est réparé? Et tu veux récupérer le wagonnet? On s'amuse tellement bien avec. Pourquoi il faut le rendre? Je sais. Si tu gagnes mon défi, j'accepterai de te le redonner. Un duel? D'accord, mais tonnerre ne marche pas sur moi. C'est parti, on s'en fiche. Pas besoin de tonnerre. Ouh là là, il a l'air mauvais. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Oula, c'est un drac au souffle ça. Ou je m'y connais pas hein. C'est un drac au souffle ou je m'y connais pas hein. Et bah voilà, c'était facile. Tant pis, je te le rends, je me serais bien amusé. Toi aussi, monte dans le wagonnet. Tu as récupéré le wagonnet. Tu es devenu ami avec Grignote. Ah bah voilà, ça c'est des choses qui nous plaisent. Tu as été fabuleux, merci, tu peux utiliser le wagonnet maintenant. Monte dedans pour aller jusqu'à l'autre bout de la zone enfouie. Une fois là-bas, regarde le wagonnet encore une fois. Pour rejoindre la zone ardente. Eh ben c'est bon, voilà, on va enfin pouvoir aller dans cette zone ardente. Let's go. Monter dans le wagonnet? Oui. Ok. Ok, bah pourquoi pas. Et donc du coup ça va... Ouais. Bah enfin ça ouvre pas le... ça ouvre pas la porte pour autant en fait. Ouais. Ok, moi je veux en fait je veux. Où veux-tu aller? Zone ardente. Ah, ok, c'est bon, ça ouvre les portes. Je me disais, vous fichez de moi en fait, parce que ça, là je pouvais y aller en fait depuis tout à l'heure. Ok, là on est bon. Cette fois on ouvre les portes de la zone ardente et ça va être bon. Et il va falloir qu'on trouve Brazigali. Brazigali. Ah, tu veux te battre Pikachu? C'est comme ça que ça se passe? Ah là, ça sent la ardence, hein. C'est très ardent. Ouais, non, j'en fais trop. Ouais, j'en fais un peu trop. On se connaît? Ici, c'est le coin de Brazigali, la zone ardente. Il y a que des types cool et balèzes. Oui, le gros méchant derrière moi, c'est une foreuse. Pour la mettre en marche, il faut foncer dans le levier avec un sprint. Mais là, elle marche pas. Quand on l'utilise trop, elle surchauffe. En la laissant reposer un moment, elle devrait remarcher. T'as qu'à aller faire un tour en attendant. Le fourneau près de Kamerut, c'est à voir. Ok, bon. Déjà, première chose, je vois qu'on a le petit transport Baudrif qu'on peut récupérer. Donc allons-y, faisons-le. Elle a l'air plutôt petite cette zone, non? Je sais pas, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense. C'est un arrêt Grodrive, une baie dessinée. Et voilà, donc Grodrive, il est arrivé. Oh, c'est joli avec derrière le lac de lave. Très bien.
The floor is lava. Challenge. Camerupt, qu'est-ce que tu nous dis? Bien! Si tu veux parcourir la zone ardente, tu vas d'abord devoir me battre en duel. Pourquoi cela? Mais parce que c'est la règle de la zone ardente. Seuls les Pokémon forts ont le droit d'aller plus loin. Car telle est la loi édictée par Brazegali le Grand. Nous allons faire un duel, cela te convient? Oui. Alors contre lui, encore une fois, pas de tonnerre. Ok, ça c'est fait. Aïe! D'accord, il m'a fait mal. Ok. Aïe! Je pensais pas qu'il allait faire ça, mais bon, c'est pas grave. Franchement, on a trop de vie. Pikachu, il a trop de vie. Il devrait pas avoir le droit à l'erreur, tu vois, il se fait écraser par Cameron. Mais bon, c'est pas grave. Félicitations! Tu es bien l'éclair jaune. De quoi? Qui est l'éclair jaune? Mais c'est toi, voyons. Tout le monde te connaît dans cette zone sous ce nom. Brazegali le Grand suit ton parcours avec grand intérêt. Autrement, tu veux en savoir plus sur la grosse machine derrière moi? On appelle ça un fourneau. Je vais t'apprendre à l'utiliser. Mais tu dois y placer minerai de fer, un minerai de fer ou un minerai d'or. Ensuite, tu peux fabriquer de nombreux objets avec. Par exemple, en faisant une barre de fer, tu devrais pouvoir réparer le levier cassé. Quoi? Le minerai de fer ou le minerai d'or, ça se trouve où? Mais voyons, tu peux en extraire du sol avec la foreuse près de Capoeira. Ok. D'accord, ok. Jusque là je vois. Donc, par contre il y avait Magby ici, on peut devenir pote avec Magby quand même, non? Allez viens Magby. Il y en a pas là aussi, minerai de fer ou minerai d'or? Ah non, ok. Il y a un Balbuto. Il y a un Balbuto, écoute, pourquoi pas. Ah, bah, on peut le mettre dans le fourneau, on peut essayer de voir ce que ça fait. Hein. Je suis l'envoyé secret de la zone rocheuse. Oui, tu veux faire un duel? Allez c'est parti. Nous pouvons commencer. Allez vas-y. Oh il est rapide. Ok, ça c'est fait. Et voilà. Est-ce que à aucun moment il m'a attaqué? On est d'accord? Même là, quand il m'a tapé, ça n'a rien fait. Tu m'as vaincu! Quelle force! Tu veux devenir mon ami? Oh, je crois que Kaorin ne devrait plus tarder. A bientôt, nous ferons un autre duel. Et ben voilà. Très bien, Balbuto, on fera un autre duel. Tous ensemble. All together. Kaorin cherche quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? Il cherche une grosse baie, un minerai de fer. Qu'est-ce que tu cherches, Kaorin? La merde? Ah, Kaorin est juste ici. Bah, on va voir. On va tout de suite voir ce que Kaorin cherche. Brazigali veut-il mettre la main sur le prisme céleste? Céleste? Je dois enquêter là-dessus et informer toute la zone rocheuse. Faisons-nous un duel? Bah, ok, d'accord. Ok, donc en fait, il ne cherchait pas du tout. Hein. Salut, toi! Ok. En fait, l'éclair l'a juste arrêté. Hein. Ok. Oh pardon. Et voilà. Et ben voilà c'est fait. En trois petits coups on s'en est sorti. Tu es très fort, ce duel restera dans les annales. Bien sûr, tu es un ami des Balbuto. Rejoins une autre fois. Ben pas de soucis, on le fera une autre fois. Il n'y a vraiment aucun souci. Magby, où étais-tu? Magby, il était là-bas. Il se déplace en groupe. Pas trop fan de la musique de ce lieu, en fait. Elle est bizarre. Tu es allé voir le grand Brazegali? Il est de l'autre côté du portail. Il attend l'éclair jaune. Alors, un duel? Allez, c'est parti, Magby. Allons-y. C'est parti, Magby. C'est parti, les amis. Ok, ça c'est fait. Hop. Hop, 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 tac. Et on termine avec queue de fer. Voilà. Oh, j'ai tapé mon bureau en même temps. Mais c'est pas grave. Ah, j'ai fait un combat diversifié là, vous pourrez pas me le dire. Vous pourrez pas dire, ah, NT utilise pas toujours les mêmes attaques. Là, vraiment, on était sur quelque chose de diversifié. Hein. On est devenu amis avec Magby. Bah voilà. Combien on a d'amis, tiens? On a 73 amis quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Pas mal, hein. Presque autant que sur mon compte Facebook. Hein. Donc, du coup, il faut qu'on aille voir la foreuse. La foreuse. La. Ouais, c'est... Vous connaissez, hein, bien entendu. Yo, Capoeira, comment ça va? Tu nous fais un petit slam, un truc? La surchauffe est finie. Super. Bon, pour utiliser la foreuse, tu vas devoir faire un duel avec moi. Pourquoi? Arrête ton cirque.
Dans la zone ardente, un duel, c'est comme se dire bonjour. Alors, on se le fait ce duel? Bien sûr, Al Capoeira. On y va! Ok, d'accord. Oula! Ok, c'est bon, j'ai réussi à le taper quand même. Oh non! Ok, ça c'est fait. Et ben voilà! Voilà, Capoeira KO aussi, hein. Voilà, très bien. Tu déchires, utilise la foreuse. Tu piges comment ça fonctionne? Tu fais un sprint dans le levier à côté de la foreuse. Elle se met en marche et t'as plein de trucs cool qui sortent du sol. Ok, tu fais un sprint dans le levier. Et il y a Taignon qui est venu. Est-ce qu'il y a aussi Kikli? Non, pas Kikli, juste Taignon. Ok. Pardon, c'est pas du tout ce que... C'était pas du tout le projet. Alors, ici? Ok, d'accord, c'était bien ici qu'il fallait le faire. Et il y a des trucs qui vont popper au sol. Alors, qu'est-ce qu'il va forer? Allez, allez, allez. Ah, un minerai d'or. Un minerai d'or a été extrait. Ça, c'est parfait. Et donc, du coup, je peux le porter et je dois l'amener jusqu'à... Oh, ça va être yanche. Hein. Ça va être yanche. Ça va être yanche. Eh hey comment tu... Ah, Charter. Eh, hey, voyageur, bienvenue dans la zone ardente. Transporter du minerai de la foreuse au fourneau, c'est un peu pénible et ennuyeux, non? Oui, mais c'est un chemin que tout le monde emprunte. Alors, nous nous demandions si on ne pouvait pas donner un coup de main. Et après mûre réflexion, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait nuire aux passants pour leur propre... Quoi? Ainsi, ils vont s'endurcir. Quelle idée brillante, n'est-ce pas? Quoi? Parfois, nous restons sereins. Parfois, nous nous jetons sur eux avec férocité. Alors, bon courage. Quoi? Mais c'est... Mais... Oh my god! Ils sont venus en bande pour me... Oh, ils ont l'air vénères. Oh, ils ont l'air vénères. Voilà, faire attention. Vous avez vu, là, le sol bouge. Ça fait... Parce qu'il y a cet effet... Si je les vois pas, ils me voient pas. Si je les vois pas, ils me voient pas. Si je les vois pas, ils me voient pas. Si je les vois pas, ils me voient pas. Si je les vois pas, ils me voient pas. C'est bon, ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu, très bien. Je pense qu'il fallait juste pas être trop près d'eux. J'espère. Non mais attends, t'as vu? Le monde des Pokémon, c'est pas tout... C'est pas tout rose, hein. Non, c'est pas tout rose du tout, hein. T'en as, ils sont là pour faire yesh, hein, c'est comme ça. Mais bon, allez, c'est parti. Salut toi. Alors, tu as essayé les fourneaux? Avec une toupie en fer, tu peux essayer l'attraction de Rhinastock. Peut-être que tu l'as déjà tenté d'ailleurs. Laisse-moi t'apprendre une astuce pour le... Mais je m'en fiche en fait. La super attaque est la clé de la victoire, m'a-t-on dit. En se plaçant au milieu du terrain entouré par ses adversaires dans la configuration... Ouais, bah... On s'en fiche. Tu veux faire un duel? Mais non, je veux apporter le truc. Ah, faut que je mette dans le fourneau en fait. J'avais pas besoin de lui parler. Quelle forme choisir? Longue, ronde. Longue. Et là, je vais avoir un levier. Non, j'ai eu un lingot d'or. Et voilà un lingot d'or. Mais pourquoi? Mais je veux pas un lingot d'or, moi, c'était pas mon but. Il y a un levier cassé. Non, en fait, il me fallait un lingot de fer. Non, ça va pas être drôle du tout. Qu'est-ce que je fasse avec le lingot d'or, moi? Oh, moi, j'aime les jolies choses et je les collectionne. Si tu fais des choses, apporte-les-moi. Ok, d'accord. Ok, donc lui, il va me donner un truc contre le lingot d'or. Très bien. Bon, au moins, ça nous aura pas servi à rien. Donc allons-y, on prend le lingot d'or, on le donne à Grolem. Et il va nous donner... Allez, tu nous donnes au moins 150 baies pour un lingot d'or. Honnêtement, minimum. Oh, tu as une jolie chose. Oh, mais c'est un lingot d'or, tu me l'échanges contre 600 baies. Mais carrément. Carrément, 600 baies, mais c'est énorme. Ok, bon. Eh hey, les gars,
Eh les gars, eh les gars, dégagez. Voilà, c'était le truc. Bon, la foreuse, est-ce qu'elle nous a fait des trucs là? Vas-y toi, vas-y fort. La foreuse, la foreuse. Cette fois on veut un truc en fer. Si c'est un minerai d'or, je m'en fiche, je ne le prends pas. Merci, c'est un minerai de fer. Un minerai de fer a été extrait. Alors, bon. Cette fois-ci, on va espérer que les caméruptes, que les chartors soient sympas. Parce que, ce qui je pense n'est pas possible. C'est pas dans leur nature, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. We never know. Ok. Ok. Notre cher ami Brazeg... Est-ce qu'ils sont vénères? Oh oh. C'est un peu comme des zombies, tu sais pas trop s'ils vont venir t'attaquer ou pas. En général, ils viennent quand même, hein. Bon bah ça a été, on est passé tranquille. Je suis peut-être passé vers la droite en fait, je pense. Faut pas être trop près d'eux. Allez. Il y a des musiques de Poképark qui sont super cool et il y en a d'autres, tu te dis... les gars, c'est quoi? Vous aviez juste un budget saxophone et ça s'arrête là? Trompette, c'est la trompette même. Quelle forme choisir? Longue? Pas un lingot de fer, s'il te plaît. Si ça fait un lingot de fer... Et voilà. Ah, c'est une barre de fer. Pour moi, ça, c'est pas une barre de fer, hein, mais bon. Pour moi, une barre de fer, ça ressemble pas à ça, mais bon, c'est pas grave. Et donc, si je fais ça... Ouais, cool. Ah ouais, en fait, là, ouais, je comprends. Le levier est réparé. Parfait. Et là, si je tape... Hop. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça arrête le feu. Pas du tout. Ah, si, voilà. Merci. Parfait. Et ben voilà. Oh, Rhinastock. Salut. Pardon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu nous veux, toi? Enfin te voilà dans mon attraction. Tu dois éjecter ton adversaire du ring tout en tournoyant. Pour participer, tu as besoin d'une toupie en fer. Non, va en fabriquer au fourneau et reviens me la donner. Non, une toupie en fer, c'est pas drôle. C'est pas drôle. T'es méchant, Rhinastock. Bon. Bah les amis. Eh, attends, mais il y a un raccourci là, non? Pas du tout, c'est que dans le raccourci en fait. Bon bah les amis, on va se retrouver dans le prochain épisode. N'oubliez pas de me suivre sur TimeNote pour savoir quand sortiront les prochains épisodes et quelles prochaines vidéos vous pouvez vous attendre à voir. N'hésitez pas à cliquer également ici pour votre bien. Vous verrez, ça fait un petit son et ça vous permet de vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve eh bien très vite. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super, c'était Newtiteuf. Bye tout le monde!